Bon, salut à tous, ici Skurs pour la suite de notre aventure avec Jaden. J'avoue que j'admire la manière dont vous avez gardé l'équilibre. Votre esprit est bon et fort. Entretenez-le. Ben, il manque 2 points, puis après je m'en vais côté obscur. Non, parce que... Les disciples de Ragnos prennent des risques. Ils ont récupéré toute l'énergie de la force de tous les sites mentionnés dans mes dossiers. Et nous ne savons toujours pas ce qu'ils comptent faire de cette énergie. Nous devons retrouver le dirigeant du culte à tout prix. Mais comment? S'ils ont déjà frappé les lieux notés dans vos dossiers? Il y a des endroits que je ne cite pas nommément, mais qu'ils ont découvert d'eux-mêmes, comme Dagobah. Je crains qu'ils ne découvrent d'autres lieux comme ça. Il nous faut les affronter dans ces lieux. Étant donné que nous avons perdu un élève la dernière fois, il faut être très prudent. Tout le monde part d'eux. Kyle, Jaden, vous irez à Vijun. Vijun? Ce n'est pas un gros caillou vide? Et c'est aussi l'emplacement de l'une des forteresses de mon père. Ok, donc c'est un caillou vide, mais important. Strine, avec toi. Ça pourrait être intéressant. J'ai entendu dire que Luke était allé à Vijun, mais il n'en a jamais vraiment parlé. Vijun est un endroit dangereux. Le côté obscur y est très fort. C'en est oppressant. Il faut être très prudent. Oui, Luke, pas de soucis. Ben, attends, je vais juste me chercher de quoi. Oh, pas long. Je vais juste finir. Est-ce que j'ai quelque chose à serrer? Ben, on va aller pour la mission. Qu'est-ce que je pense? Je pense que c'est une des dernières, je crois, d'affaires avec le rencontre. Toutes les fins, de toute façon. Donc, peut-être une, je vais peut-être vous laisser la fin. Ça va être un défi que vous devez... On dirait qu'il y a du monde. Encore merci, Luke. On va descendre le canyon et nous faufiler dans le château. Ah non, cette pluie est acide. Trouvez un abri, vite. Bordel, esti. Là, ça devient plus chaud. Là. Alors, on l'a vu. Super, on dirait. Ah non, cette pluie est acide. Trouve un abri, vite. Voilà notre comité d'accueil. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez! C'est une assez... Il va falloir courir d'abri en abri. Évitez la pluie à tout prix. Ouais, mais c'est pas toi qui combat les gros colosses de merde. Ouais, t'en avais pas laissé un autre. Quoi, je peux pas récupérer son gun?
qu'il faut aller par là. C'est une puits d'essence de soleil qui a peut-être des décharges. C'est une plaisanterie ou quoi? Dans l'ancien ordre. Il fallait être 60% clan quand tu pouvais être les deux sans vraiment tomber. Et tu sais, il y avait Maître Windu qui était là-dedans, mais il faisait pas vraiment de la force. Faut que tu te mettes drette devant mon tir, quoi. Savoir, je suis pas comme ça, je suis pas qu'à l'heure de mon côté. Moi, il est en ce moment, j'entraîne de le faire à 13h24. Donc, je sais pas à quelle heure vous allez écouter la vidéo. C'est une plaisanterie ou quoi? C'était pas ici qu'il y avait des. Prends ça.
qu'on veut se récupérer un peu de... À l'abri. Ils n'attendent plus que nous. Ok. On doit atteindre ce turbo-laser et prendre le bombardier d'abord. Pour moi. Vous aurez... Il doit être quelque part, ami. C'est ça, je te le donne. Je vais me pousser sur moi. Plaisanterie ou quoi? S'il tombe dans un trou, c'est de sa faute. Vous aurez. Turbo laser doit se trouver de l'autre côté de cette porte. Ah, c'est verrouillé. Il y avait une salle de commande par là. Attendez ici et dites-moi si ça s'ouvre. C'est bon, Kyle. J'y vais. Je compte sur vous. Joli tir. Allez, au château. Ouh.
n'essaye pas rien. C'est bon de se sortir de cette pluie. Il nous faut monter dans le château. Il y a un turbo-ascenseur là. Verrouillé. Tu parles d'un lieu accueillant. Voyons si nous trouvons un autre moyen de sortir d'ici. Ouais, c'est à moi de chercher. Ils verrouillent toujours la porte. Ils ont bien retenu la leçon. J'espère. Je me demande où ça mène. Les égouts. Oh, bien sûr, il fallait que ce soit les poubelles. Poubelles. Bon, allons-y. On n'a jamais dit qu'être un Jedi, c'était rose tous les jours. Pourquoi faut-il que ce soit rose? Jadon, au milieu. Vous pouvez sauter. C'était juste. Il faut qu'on s'en sorte. Prenez cette voie et je prends l'autre. Avec un peu de chance, on se retrouvera de l'autre côté. Oh, mais quelle voie tu prends? C'est pas moi, là. C'est lui. Vous l'avez la preuve qu'il a pas sauté, qu'il est resté dedans, qu'il me dit de sauter, mais lui, il l'a pas fait. Donc c'est lui-même qui s'est auto-tué. Il nous faut monter dans le château. Il y a un turbo-ascenseur. Là. Demande où ça mène. Je sais pas pourquoi il y a pas. Oh. Jadon, au milieu. Vous pouvez sauter. C'était juste. Il faut qu'on s'en sorte. Prenez cette voie et je prends l'autre. Avec un peu de chance, on se retrouvera de l'autre côté. Ok, tu m'as marqué. L'ascenseur est bloqué aussi. Et cet interrupteur? Oh, allez! Oh oh! Jadon, attention! Jadon! Il faut évacuer l'eau. Ce câble électrique touche le sol, on va rôtir tous les deux.
regardez ça. On a réussi à tracer notre route. En parlant de ceux qui sont fonctionnels, c'est les rouges. Kyle, du calme. J'ai déjà vu des conduits comme ça avant. On va s'en servir pour monter. Je me demande où ça mène. C'est ça, je le sais pas. Faut se grouiller parce que... Ou quoi? Quoi t'allumes ton ça? Ah, ok. Hey! Hey! Ok, c'est le dernier. J'ai juste fait jouer un gros tour. Enfin, un ascenseur qui marche. Ah!
charger le... C'est l'autre. Bonne idée. On peut remettre de l'énergie dans la machine et la surcharger. Moi, je dis surcharger, puis t'as allé plus vite. On va remettre de l'énergie. Jaden, est-ce que ça va? Oui, ça va. Où êtes-vous? Je ne sais pas trop, je vous rattraperai. Partez devant sans moi. Que se passe-t-il, Jaden? Rien, je gère. Bien, j'ai eu quelques problèmes, mais j'arrive dans la phase centrale. Pourquoi les impériaux sont-ils là? Moi, je dirais qu'il y a quelqu'un de familier dans le coin. Tu es nouveau ici? Oui. Tu as fait le bon choix. Le mec. Si vous allez mourir, je t'attends, Jedi. Désolé, j'ai besoin de la générique. Elle est ici. Je t'attends, Jedi. Et moi qui pensais que les Jedi étaient plus... Fuck you, le jeu. Que se passe-t-il, Jaden? Rien, je gère. Bien, j'ai eu quelques problèmes, mais j'arrive dans la salle centrale. Ah, le suivi qui me tue. Tu es nouveau ici? Oui. Tu as fait un peu de soucis. Oui, je me venge. Et vous êtes combien? Thank you.
voyons. Est-ce qu'il y a comme... petite photo ici. Je sais pas c'est qui, mais... photo de quelqu'un. Je sais pas si ça a rapport à... Je sens votre présence, Jedi. Ah ouais. Adieu, Jedi. Je suis plus fort que ça. Vous êtes misérable. C'est moi qui s'est trompé de pouvoir. Que se passe-t-il, Jaden? Oh. Petit checkpoint de merde. Rien, je gère. Bien, j'ai eu quelques problèmes, mais j'arrive dans la salle centrale. C'est moi où j'ai skippé un peu de fois. Les impériaux sont venus là. Je t'attends.
celui qui a pas de sang expulse, ben, il est plus axé sur la force que l'autre avec un sang. Puis ceux qui sont comme bleus. Ah, ben, en fait, gaspiller deux. Arrêtez. Ah ouais, c'est ton pouvoir quand même. Putain, barnac. Maintenant, c'est moi. Ah, j'avais un... C'est un Jedi. Je dirais qu'il faut mourir. Mais je sais pas, j'essaie des affaires. Pitoyable Jedi. Au moins il ne détruit pas. Je ne peux pas. Je suis dans le hangar. Ok, je vous rattraperai. Talent.
ça quand même. Vous êtes minable. Je suis pas minable, juste que j'ai plus de vie. Vous ne pouvez pas vous échapper. Arrêtez. Vous ne pouvez pas vous échapper. Que l'autre il a pili dessus, mais ça me. C'est un Jedi. Oui, c'est un Jedi. Force.
intrus. Thank you.
Voyons ce dont vous êtes capable. Voyons ce dont vous êtes ici. Sans votre présence, Jaden. Roche ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Les disciples de Ragnos m'ont emmené ici. Je pensais qu'ils me tueraient, mais je me suis trompé à leur sujet. Est-ce que vous réalisez combien la force obscure est puissante ? Kyle nous le cachait. Jaden, vous devriez le sentir. C'est incroyablement bon. Roche, qu'est-ce que vous racontez ? Vous êtes un Jedi ! Non. Non, je... Assez de parlotte, Roche. Détruisez ce piteux Jedi pour qu'on puisse accomplir notre devoir. Oui. Vous êtes trop faible pour nous rejoindre, Jaden. Alors, on ne peut pas vous laisser faire obstacle.
rien ne nous arrête. Prenez ça. Kyle, je... Oh! Vous croyez que j'allais laisser partir mon apprenti comme ça? Tavion... Vous auriez dû me tuer quand vous le pouviez encore, Katarn. Votre pitié de Jedi minable est une faiblesse qui vous coûtera la vie. Et celle de vos élèves de l'Académie. Mais pas la vôtre, mon cher Roche. Venez. Oui, Tavion. Roche, non! Imbécile. Votre lamentable amitié n'est rien comparée au pouvoir du côté obscur. Alors, vous en êtes arrivé là, Tavion. Voler des restes de la Force, tel un parasite interstellaire. Épargnez-moi votre morale, Katarn. Vous m'avez peut-être fait honte en m'épargnant, mais c'était avant que je trouve ça. Maintenant, j'ai un nouveau maître qui m'a promis le pouvoir de vous détruire tous. Vous, les Jedi. Ragnos, qu'est-ce qu'un seigneur Sith mort peut bien vous offrir ? Tout ce que je veux. Mais vous ne serez pas là pour le voir. Je ne vais pas tenir très longtemps. Courage. Une fois libérés, nous avons cherché partout. Mais Tavion avait déjà pris Roche et s'était enfui. Alors maintenant, on sait qui dirige le culte. Mais ça n'explique pas pourquoi il y a autant de serviteurs de la Force Obscure. Certains des revenants de Desan sont avec elle. Et pour ce qui est du culte, Jadon a sa théorie. Si le sceptre peut emmagasiner la Force, il doit aussi pouvoir la relâcher. Tavion doit s'en servir pour transmettre le pouvoir aux disciples. Corruption de disciples à l'aide du côté obscur de la Force. Ça expliquerait pas mal de choses. Vous avez bien regardé ce sceptre ? Oui, et il appartenait à Ragnos. On doit trouver ce que Tavion projette de faire si nous voulons l'arrêter. D'accord. Il va falloir fabriquer un nouveau sabre laser pour remplacer celui que vous avez perdu. Pendant que nous cherchons à percer les plans de Tavion, j'aimerais que vous jouiez un rôle plus actif dans l'Académie. Pardon ? Jadon, vous avez très bien géré la situation sur Vijun. Vous avez fait preuve de courage et de talent en affrontant trois Jedi noirs. Pour cette raison, je vous crois capable d'accéder au rang de chevalier Jedi. Ouais. Félicitations. Oui, maître Skywalker. Merci à vous deux. Jadon, après la bataille, j'ai senti la colère prendre corps en vous. Vous êtes un chevalier Jedi maintenant, certes. Mais méfiez-vous toujours du côté obscur. Oui, Kyle. J'essaierai de ne pas vous décevoir. Maintenant que vous êtes chevalier Jedi, Luke et moi allons pouvoir vous donner des missions plus difficiles. Mais il faut rester prudent. Les problèmes peuvent venir de n'importe où.